Thank you.
Données de navigation reçues.
Garde crie, mais quand ils étaient jeunes, ils lançaient aussi des pierres. Ma femme est souffrante. Et c'est pas la seule. Une maladie apportée par les étrangers. Il faudrait faire quelque chose. Un capybara blanc. Présage de bonne... Bonjour. Vous êtes un banni ? Oui, jeune fille. Bonjour. Je vous ai entendu parler d'un capybara blanc. Oh, pas juste un. Ils sont très nombreux. Pisco m'envoie parler à tous ceux qu'on a bannis. Vous êtes un chasseur ? Aujourd'hui, oui, mais j'étais fermier. La vie ne me convenait pas. Je me sentais piégé, obligé d'accomplir des tâches, de répondre aux attentes imposées par ma famille. J'ai fini par refuser et suivre ma voie. Et tout ça à cause d'un capybara blanc ? Non, jeune fille, plusieurs. Un soir, ils ont pris mon champ d'assaut, ils ont tout piétiné. Mais j'ai rien fait pour les arrêter. Je les ai regardés, ils m'ont donné une idée. Un troupeau de ces capybaras tout blancs. Et si je les chassais ? Et si enfin je m'éloignais un peu des champs ? Et vous l'avez fait ? La meilleure décision de ma vie. Mon père m'a déshérité et a donné la ferme à ma sœur, mais ça me va. Je suis devenu chasseur. On m'appelle Païmo le Blanc. Merci de m'avoir raconté votre histoire, Païmo. Merci, jeune fille. Itzamna était le fils du dieu créateur Maya Unapku. En tant que dieu de l'éducation, il avait inventé l'écriture et les livres, ce qui lui donna un rôle essentiel dans l'essor de la culture Maya. Il était aussi le dieu de l'agriculture et des médecins, soignant les gens de sa main brûlante. Itzamna était souvent représenté sous la forme d'un reptile, mais il était également connu sous la forme de Kinishaju, un hara de feu qui régnait sur le chiffre 4, la sécheresse et la maladie. Il y a un peu de temps.
Masque d'influence aztèque, orné d'éléments typiques de la région de Paititi. Les protecteurs ont échoué et sont condamnés à pourchasser ce qu'ils ont perdu. Quali, quali.